Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo. Je vais vous présenter un tout petit jeu qui est sorti sur iPhone qui s'appelle Rotat. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le verbe roter, nous rotat, vous rotat. C'est un petit jeu qui se joue ultra vite et avec un seul bouton. Et c'est vraiment génial pour passer son temps quand on a quelques secondes à tuer. Alors, je suis déjà mort, c'est bien, ça commence bien. Comment ça se joue? Tout simplement, on appuie sur le bouton pour faire transférer la petite bille jaune. Qui va de rotation en rotation, enfin de, on va dire de planète en planète, de disque en disque, c'est plus simple. Chaque disque va à une vitesse donnée. Évidemment, les disques en pique, vous vous doutez bien qu'il faut absolument pas les toucher. Et il faut aller non pas le plus loin possible, mais ramasser le plus de pastilles possible. Plus on ramasse de pastilles, plus ça nous apporte de points. Et il faut pas trop traîner parce qu'au bout d'un moment, le disque disparaît. Si vous voyez, si vous faites bien attention, vous allez voir que le disque commence à disparaître lentement. À des fois, on entre dans un mode adrénaline en fait, où le temps est légèrement ralenti. Ça peut nous aider. Sauf des fois, il apparaît totalement au hasard. Donc des fois, on est vraiment dans le rythme. On a pris le rythme de fou, on est concentré comme un ouf, et là on appuie sur le bouton, et au moment où on appuie sur le bouton, on passe en mode adrénaline 2 dixièmes avant, et du coup on rate notre tir et on a les boules. Alors évidemment c'est impossible de vous parler de ce jeu et de se concentrer en même temps, parce que moi les trucs rotatifs, c'est hyper, je trouve ça hyper difficile à gérer. Où est-ce que j'en étais avant que ma mère m'interrompt? Voilà, là. Il y a des petites pastilles vertes, quand on prend les petites pastilles vertes, ça nous prend toutes les pastilles rouges qui sont visibles à l'écran, donc ça booste le score énormément. Faut égayer énormément, mais non, voilà. Et quand je vous disais que le mode adrénaline parfois peut vraiment nous faire défaut, ouais, super. Mais non, j'active la pub. Alors, le jeu, il me semble qu'il est gratuit. Où est-ce qu'il est? Il est là. Le jeu est gratuit, il me semble. Avec quelques pubs, mais c'est vraiment pas gênant. Il y a alors au début, je pensais que c'était des patterns vraiment. Fait au hasard, et en fait non, il y a vraiment, on va dire, peut-être une dizaine de patterns différents qui tournent en boucle, du moins au départ, hein. je suis jamais allé très très loin. Donc même avec un peu d'entraînement, on revient sur un pattern qu'on a déjà connu, et du coup on peut aller beaucoup plus loin parce qu'on connaît le chemin, on sait l'appréhender, on va dire. Oh, lui il va vite. Oh putain, les trucs qui vont vite, c'est dur. De toute façon, je vais pas traîner longtemps. Hein. On a fait le tour du jeu. C'est vraiment ultra rapide. Oui, donc je disais, ça sert à rien que je tourne pendant 107 ans sur ce jeu. Vous avez vu exactement de quoi il en s'agissait, de quoi il en retourne. Et bah essayez tout simplement de battre mon score. Mais non. Si vous avez un iPhone, essayez tout simplement de battre mon score. J'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait 164, voilà, c'est pas énorme. C'est un bon petit jeu. J'ai encore 2-3 autres petits jeux très petits comme ça au gameplay ultra simpliste à vous montrer. Quand j'étais en vacances, ils m'ont vraiment bien dépanné quand j'avais quelques minutes à tuer. C'est vraiment agréable. Par contre, il est dur, il est vraiment dur. Donc sur ce les amis, je vous souhaite bonne chance. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye. Je vais quand même essayer de battre mon record. Bah non, ça sera pas pour tout de suite.